Bien Dorothée, bonjour. Bonjour Christian. Alors, nous sommes devant votre étal et en cette journée, vous présentez donc des produits parce que vous êtes, vous, à Nistos, je crois. Oui. Et vous êtes monté pour l'occasion à Luchon. Donc, je suis chef d'exploitation. Oui. Et je cultive des fruits, des petits fruits et des plantes aromatiques. D'accord. Donc, quand je dis petits fruits, ça va être le fruit rouge. Alors ici, nous avons des sirops de plantes aromatiques. En fait, ce sont des infusions très concentrées. Donc ici, ça va être le basilic cannelle, à laquelle j'ajoute du sucre de canne. Et je fais une petite cuisson. Donc après, je mets en bouteille. C'est à utiliser soit de manière conventionnelle, on va dire, avec de l'eau plate. On peut utiliser aussi avec de l'eau pétillante, fraîche, pour faire des apéritifs sans alcool. Après, on peut aussi l'utiliser avec de la bière blonde, du crémant, du vin blanc. Ça peut aussi être utilisé pour aromatiser des salades de fruits, des fromages blancs, des tartes, mais aussi pour caraméliser un rôti en fin de cuisson, par exemple. Ça dépend de la manière dont on est extravagant en cuisine. Alors, nous allons passer tout à côté, ici. Là, est-ce que vous pouvez m'expliquer donc ces produits aromatiques, parce que je vois que vous les avez mis en verre, donc est-ce que ça garde encore l'odeur, etc., c'est l'arôme du alors, produit. Alors ici, voilà, c'est pour présenter un petit peu au public, pas à travers la caméra, là vous ne pourrez pas sentir, mais on retrouve les plantes que j'utilise pour le sirop, notamment la cater citronnée, la gastache anisée, et là nous avons un mélange avec trois plantes. Donc ce sont des plantes que je cultive, on les trouve pas à l'état sauvage sur notre continent. Donc nous avons du basilic cannelle, je ne sais pas si on voit bien, pour ici, donc là c'est l'épi. Ensuite on a la péria pourpre, là c'est la partie des feuilles qui vont être rouges. Et ensuite la cater citronnée. Donc là on a un mélange qui va être très odorant, très savoureux. Aux nuances subtiles. Alors, une question qui me vient à l'esprit, oui. Est-ce que ce sont des herbes médicinales? Comment vous le présentez vous-même? Comme des plantes plutôt aromatiques, voilà, avec des molécules aromatiques. Mais pas systématiquement médicinales. Après, elles ont des propriétés, peuvent avoir des propriétés médicinales. Moi, je ne suis pas habilitée à en parler spécialement. Voilà. Mais il y a des molécules aromatiques dans ces plantes. Disons que ce sont des arômes. Et elles peuvent être bues à toute heure de la journée, et en particulier comme après une tisane, les repas. Comme un thé. Comme une tisane. Comme voilà. Une tisane, pareil. Voilà. Et elles sont bien après les repas. Très bien. Un mélange de fruits séchés, de pommes et de physalis du Pérou. Alors, déjà, c'est aussi l'occasion de proposer la pomme. En toute saison, en dehors des gelées de pommes par exemple, qui elles ont du sucre ajouté. Voilà, là on a un produit totalement sans sucre ajouté, naturel, et qui peut se conserver. Alors vous pouvez toujours voir dans la relation du produit, oui. Avec, si vous voulez, donc un plat, qu'est-ce qu'il peut servir comme plat? Même des salades, avec des salades. Des salades aussi? Oui, notamment avec les physalis aussi, c'est très. D'accord. On peut voir ça comme l'usage d'un raisin sec pour les physalis par exemple. Voilà, pour les personnes qui vont aimer le genre d'association, ça des sucrés. Alors nous sommes à présent donc devant des pots de confiture. Vous m'avez expliqué que vous aviez beaucoup d'arbres fruitiers. Voilà. Vous faites beaucoup de gelées ou de confitures. Gelées de coin. Alors oui, en gelée, nous avons proposé gelée de pommes, gelée de coin, on a aussi de la gelée de groseille, et on a aussi une gelée
Ici, c'est une gelée de tomatillos. C'est de Physalis. C'est la famille des tomates. Ouais. Là, c'est une petite tomate violette. Elles ont une couleur comme une aubergine. D'accord. Comme une aubergine à l'intérieur aussi. J'en fais une gelée et je l'aromatise avec de la cater citron. Voilà, donc en fait, on essaie de proposer aussi des choses un peu plus originales à travers notre gamme de confitures et de gelées. Celle-ci en fait partie. Il y a aussi la Gold Rush Aromate qui fait part, et la Physalis, tout court. Là, c'est la Physalis du Pérou, c'est encore une autre. Et ça fait partie de notre gamme un petit peu moins conventionnelle, on va dire. Alors, vous m'expliquez qu'en fait, pour tous les produits que vous faites, vous les faites donc chez vous, dans votre maison. Vous avez un atelier de transformation, etc. Et donc, les gens qui viennent vous voir en Istos peuvent faire des dégustations des produits que vous fabriquez. Oui, voilà, tout à fait. Nous les recevons chez nous. Ils pourront déguster des gelées, des confitures. Est-ce que vous avez aussi des châtaigniers chez vous ? Oui, alors les châtaigniers font l'exception, ils étaient déjà là avant. D'accord. Parce que ça doit être quand même assez long pour qu'ils arrivent à maturité aussi. Pour un châtaignier planté, il faut compter au moins 10 ans. Avant 10 ans, hein, oui, ce que j'allais dire. Oui, c'est pas évident pour avoir des fruits, hein, c'est pas d'accord. Nous avons eu la chance d'avoir sur notre petite colline une petite châtaignerie qui est quand même vieillissante et qui nous donne de beaux fruits avec des variétés intéressantes. Donc nous avons décidé quand même de mettre en avant un petit peu les récoltes en faisant un délice de châtaigne. Alors merci de m'avoir reçu. Merci Christian. Et bon retour donc à la ferme. En vous souhaitant un bon succès. Merci. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.